de couperet est tombé à la fin du mois de janvier. Charles III annonçait par le biais d'un communiqué qu'il était atteint d'une forme de cancer détectée après une opération pour une hypertrophie de la prostate. Si cette nouvelle a choqué bon nombre de personnes, il y en a une qui n'a pas été surprise. Une série noire a commencé en 2024 pour la famille royale britannique. Et cette dernière est particulièrement éprouvante, puisqu'elle concerne la santé de deux de ses membres les plus importants, le roi Charles III et la princesse de Galles, Kate Middleton. Au mois de janvier, le souverain et sa belle-fille étaient admis à la London Clinic pour deux opérations. Si les deux interventions se sont bien déroulées, les examens qui en ont découlé n'ont pas révélé de bonnes nouvelles. Si esti depuis plusieurs semaines officielles, Charles III et Kate Middleton souffrent tous les deux d'un cancer qu'ils sont en train de soigner par le biais de traitements de chimiothérapie préventive. Des séances éprouvantes mais qui portent a priori leurs fruits. Du moins pour le roi dont les dernières nouvelles données étaient plutôt rassurantes. Si la plupart des gens ont été surpris par sa maladie, il y en a une qui était loin d'être étonnée en apprenant la nouvelle, Debbie Frank. Cette dernière s'y connaît en matière de destin et de prédiction puisqu'elle est astrologue. Elle s'est d'ailleurs occupée de son amie, la princesse Diana, à l'époque, dont elle était la confidente. Il y a 3 mois, sollicitée par le magazine Hello pour dessiner l'année qui attendait le clan Windsor, Debbie Frank avait eu des mots qui résonnent d'une bien triste manière aujourd'hui. Charles et Camilla confrontés à des problèmes de santé comme elle le racontait en ce début d'année, Debbie Frank évoquait le fait que Charles et Camilla pourraient se mettre légèrement en retrait pour des raisons médicales. Les problèmes de santé pourraient être une priorité pour Charles et Camilla avait-elle fait savoir. Elle avait également émis l'idée que le couple voudrait préserver son énergie pour ce qui est vraiment important et réduire les routines et protocoles royaux superflus, en s'appuyant peut-être sur les jeunes membres de la famille royale. Et tout cela s'est réalisé puisqu'un attendant, William, Sophie, Edward et bien d'autres ont pris le relais. Elle avait également souligné que le roi était très consciencieux dans son travail et qu'il ferait donc tout pour assurer les événements royaux. Elle avait notamment déclaré que mars serait un mois difficile et qu'il le mettrait à l'épreuve. Dimanche 31 mars, le roi Charles III a pour rappel assisté à la messe de Pâques, l'une de ses premières sorties officielles depuis l'annonce de la maladie. Mais dans toutes ces sombres prophéties, une lueur d'espoir pointe le bout de son nez. Debbie Frank avait en effet évoqué le fait qu'une récompense arriverait en juillet, qui est plein de joie. Peut-être le mois de la guérison officielle, elle qui voit tout juste depuis le début.